Bonjour mes crafters, ici Seb B35 pour un nouvel épisode de MC4 Play. Bonjour mes crafters, ici Seb B35 pour un nouvel épisode de MC4 Play où je suis tout seul. C'est une découverte d'une nouvelle map de Death Run sur le serveur IVMC.eu, qui est mon mini-jeu Minecraft préféré. Je fais très peu de vidéos dessus, et aussi sur une map avec pour thème ma licence de jeu vidéo préféré, à savoir Sonic the Hedgehog. Je déteste tous les gens avec Sonic. C'est un oh merde, oui je sais que c'est un mème, mais je m'en balais que... Mais vos gueules. Et cette map est assez compliquée en fait, à jouer. C'est une map relativement complexe, pas très longue mais assez complexe, avec des features assez sympathiques. Je l'ai joué une seule fois pour l'instant et j'ai fini 7ème, ce qui n'est pas génial. J'ai un rang assez élevé sur serveur, je suis Kangourou. Si vous connaissez le jeu, vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Alors, voilà, j'ai skip le premier piège sans me faire des pop instant. Voilà, je strafe, hop, les petits jumps. Alors ce jump là est 20 en hauteur, donc on voit pas très bien où on va, donc je n'enchaîne pas les sauts, je prends les pauses. Alors les blocs rouges par contre c'est dangereux parce que, ah oui, je ne vous ai pas expliqué le concept du death run, c'est une petite erreur. Donc vous voyez c'est du parcours, mais il y a aussi deux types des deaths qui sont là. Oh, ça c'est pas joué à grand chose. Pour activer des pièges comme ce champ de mine ici, et qui sont là pour bien nous faire chier, et puis c'est le premier qui arrive qui gagne, et puis on peut faire des petits coups de fourbe à ses potes. Donc là comme vous voyez je me suis basé sur le sol pour pouvoir avancer sur des barrières invisibles. C'est vraiment la feature, ce qui a fait parler d'elle. Texasegman XD. Allons-y, donc des références à Sonic. Et donc là on a fini first quand même, enfin une belle performance hein. C'était vraiment ma deuxième game sur cette map hein. Donc j'ai très très bien joué, j'ai skippé le premier piège dès le début, j'ai distancé celui qui me talonnait, et les deaths ne m'ont jamais rattrapé, ce qui est très bien. Comme vous voyez, l'architecture s'inspire du niveau de Sonic le niveau de Sonic Knuckles Zone, forcément le premier niveau du premier jeu sur Mega Drive, et puis avec un level design qui s'en inspire un petit peu, mais bon, quand même réadapté pour convenir à un jeu Death Run. À la base en plus c'est un mini jeu Garry's Mod hein, qui a été adapté sur serveur avmc.eu, et j'ai beaucoup de points dessus. Là j'ai 12 vies, il reste 5 secondes et attention, non c'est le nombre de joueurs restants, j'ai rien dit. Il reste 12 secondes, pardon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mon dieu! Merde. Quel bolos. Vous ne m'avez pas vu donc sur le podium, tant pis, ce n'est pas très très grave. J'étais sur un podium en diamant et tout, c'était classe. Mais bon, sur Twitter, j'ai posté des cinquantaines de photos de ce type-là. Parce que sur... AVMC, où est-ce qu'on peut voir les statistiques? Alors, mes achievements déjà, j'en ai la majorité. Et la plupart de ceux que je n'ai pas, c'est uniquement ceux qui impliquent le gameplay en tant que death, celui qui active les pièges, qui est un gameplay que j'aime pas trop et auquel je ne joue pour ainsi dire jamais. Et comment dire c'est... Je me suis paumé complètement dans mon commentary, c'est bête, j'étais bien parti. Bref, comme vous voyez, sur mes statistiques, j'ai quand même de 23 000 points, ce qui est quand même un gros score. Je suis au rang Kangourou, comme vous voyez, qui est un rang assez élevé. J'ai joué plus de 450 parties. J'ai tué 171 personnes en tant que death, mais bon, ça c'est... Je suis mort 1241 fois et j'ai traversé 1716 checkpoints. Donc on pourra se comparer nos statistiques entre potes. Donc là on a découvert la map Sonic the Hedgehog, et on va aller se pointer sur une autre juste pour compléter un petit peu tout. Donc la Sonic the Hedgehog n'est pas disponible sur tous les lobbies. Il y a le système de vote sur FMC, il n'y a pas nécessairement toutes les maps. Au début du jeu il y en avait, mais puis il y a eu de nouvelles maps entre temps, Western, Sonic et j'en passe. Jungle Base aussi, ça c'est trois maps dont j'étais présent à la sortie. J'étais présent à la sortie du jeu en lui-même, mais c'est celle dont j'ai suivi l'actualité pour être plus précis. Donc là on peut observer un petit peu la map, c'est une map que je connais plus, donc potentiellement plus de skills, mais aussi plus de skills de la part de mes adversaires.
On va voir comment on va se débrouiller après tout. Hein. Je suis tout au fond. Je suis pas sûr qu'il y ait une early release. Je sais pas si vous avez vu au début de Sonic, on avait une early release, c'est-à-dire que 10 secondes avant on pouvait se rapprocher de la ligne de départ. C'est pas le cas sur toutes les maps, donc ça se trouve ici je me retrouverai dernier d'office. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas l'être. Ça dépend du comportement en fait des deaths et de leur timing pour activation du tout premier piège. Ce tout premier piège c'est décisif si on arrive à le skipper et qu'on est le seul à le skipper alors que le death l'activait, passer avant que le death l'active sans avoir à attendre. Ah, j'ai raté. Bon bah là j'aurais beaucoup de mal à remonter mais la game n'est pas perdue pour autant. Alors vous avez remarqué aussi la présence de Strafe, les têtes ici qui permettent de se propulser dans une direction. Et c'est vraiment quelque chose que si on le maîtrise, on peut gagner beaucoup d'avance. Bon, ça a 60 putain de secondes de cooldown, c'est un petit peu énorme, mais bon, heureusement, parce que sinon, les gens en useraient, abuseraient, et puis ça n'aurait plus tant de sens. Et le rôle des deaths serait beaucoup plus complexe, vu qu'on peut passer au-dessus d'à peu près n'importe quel piège avec ses strafes. Mais je dis strafe et pas strafe, parce que... Alors ça c'est une feature assez récente, ce portail ici, avant il n'y avait pas de checkpoint ici, mais c'est plutôt bien, parce que... Avant on mourait pas mal dans cette zone et puis le checkpoint était assez loin. Si on mourait dans cette zone en fait c'était très 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 punitif. Alors ce death ne s'est pas arrêté ici, ce qui me permet d'avancer encore plus et de passer ce checkpoint là. Donc passer sur le cinquième stage. Alors ici passer sur la minibar sur laquelle je suis passé n'était pas absolument nécessaire mais bon c'est pour assurer. Parce que si on faut faire un saut de 4 blocs que je réussis genre quelque chose comme 2 fois sur 3. Alors, je peux prendre le risque, je le fais assez souvent d'ailleurs. Oh, il est de merde. Non, yes. Bon, je suis pas premier. Mais j'ai quand même pas mal avancé. J'ai réussi à finir deuxième, c'est très respectable comme score. Ça m'arrive assez souvent de finir deuxième, même si premier est quand même plus souvent. En fait, je suis quasiment toujours sur le podium parce que si je ne suis pas premier, deuxième ou troisième, c'est que je suis mort plusieurs fois sur le même piège. Et généralement, quand je meurs trois fois sur un même piège, j'ai tendance à rage quit pas mal. Un petit peu comme vous savez, les gros tasers speedrunners qui, dès qu'ils font une erreur dans un jeu, appuient sur la touche reset et recommencent. Un petit peu la même ici. Et en exclusivité pour le MC4 Play 24, Tinjoff. Yeah. Les tournages de MC4T ne sont pas du tout improvisés. Je faisais du Death Run. Vu qu'il y a une nouvelle map sortie récemment là. Ben il y a à peine 30 minutes en fait. C'est la map Sonic. Comme ok. Un univers que j'adore donc j'ai tenu à faire une vidéo dessus. Et là je fais une deuxième game. Hein. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus. À moins qu'on fasse un autre truc avec un Joff potentiellement. Ce serait un enchaînement rigolo. Ah mon oreiller. Non, je gêne pas. Les tournages de MC4T ne sont pas du tout improvisés. Bon. Nous y voici donc. Quand on arrive sur le podium, on a un enchanté de cristal qui nous donne quelques tokens. J'ai 23 000 tokens, ce qui est énorme, et je sais absolument pas quoi en faire maintenant. Tu me les files. Je suis pas sûr que ce soit possible. Je suis sûr que c'est possible. Je me renseignerai à l'occasion. Bon. À l'occasion, ça veut dire jamais. Ouais. Au pire, spammez-moi dans les commentaires pour que je fasse. Je vous fais confiance. Spammez tous dans les commentaires. File tes tokens à Tinjoff, t'as promis, espèce de salon. Voilà. Alors comme vous voyez je me balade comme un con sur lobby en balançant des boules de feu qui font miaou. Je fais ça pour ainsi dire tout le temps, j'y passe mes après-midi en fait ce que je mets ma fenêtre en mala et que je mets genre une vidéo YouTube, bon, on va prendre une vidéo YouTube au hasard qui est sortie il y a pas longtemps. Tiens, Red Barrel 7 de Pseudoless. C'est bien, Red Barrel. Il fait la pub au passage. Ouais. Allez regarder les Red Barrel, c'est la meilleure émission de jeux vidéo de tout l'internet français, point barre. Oui, le générique un peu long. J'aime bien cette vidéo, elle était structurée au début, mais elle est partie en couille en fait, on peut dire ça. Laquelle? Si vous passez l'expression. Celle que je tourne actuellement, mon très cher Pinjoff. Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans toute la vidéo? J'ai commencé pour présenter de tous les termes la nouvelle map Death Run classique. Je laisse le son. Et donc j'ai joué à une deuxième map.
Puis t'es arrivé, j'ai répondu, je t'ai dit coucou, j'ai tourné comme un con sur lobby, j'ai expliqué à quel point quand je mettais en petit format, désolé pour les bandes noires au passage, là, je règle ça, voilà, merci. Et je présente une autre émission YouTube dont les gens n'ont potentiellement rien à foutre, mais c'est la meilleure du l'internet français, du l'internet bien sûr. Allez voir Red Barrel de pseudo-s. Point barre. Noob le meilleur. Limite, si vous devez choisir entre regarder la MCK Team et regarder pseudo-s. Regardez des abonnés, merde, regardez pseudo-s, putain. Mais non, la MCK Team, ne l'écoutez pas, il est fou, il s'est drogué, ne l'écoutez pas. Ouais, c'est pas mon caractère habituel, mais pseudo-s est l'un des meilleurs vidéastes gaming de l'internet français, donc il faut vraiment. Après, il y a Olivier Studio aussi. Après, il y en a d'autres aussi, il y a aussi dans la même famille, un petit peu, il y a Don Pasqualino, Monsieur Plouf, Punky, Mikawel, autant de gens comme ça qui parlent, et un drop dans la mare, j'ai failli oublier de citer un drop dans la mare, mon dieu. C'est vraiment autant de chaînes absolument passionnantes au niveau du jeu vidéo. Ne vous désabonnez pas de la MC4, désabonnez-vous de Cyprien Gaming et allez voir tous les youtubeurs que j'ai cités. C'est un ordre. Bon, moi je dis, je vais bouffer. Ok, et moi je vous dis, partagez la vidéo, allez voir toutes les émissions que je vous ai citées, allez tester le Death Run et puis potentiellement on fera des games entre youtubeurs abonnés en MC4 Play ou en MC4 Live. Oui, on fait des lives maintenant. Et je vous remercie beaucoup du visionnage de cette vidéo, ma foi fort énergique, malgré le fait que je sois quasiment tout seul, enfin, sauf un petit moment, Tarjof a dit son petit coucou. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage, like, partagez s'il vous plaît, partagez. C'est vraiment important pour la vie de la chaîne. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.